Oui, donc salut à tous les amis, ici Chamallow de la chaîne Epic Crafting, et ici on se retrouve pour cet épisode 9 de la série le walkthrough de Pokémon Rouge Feu. Donc on s'est arrêté dans la sixième ville, enfin la ville du sixième badge, excusez-moi, Safrania. Donc je me souviens qu'on avait défait la Team Rocket dans leur planque au casino. On n'a même pas pris le temps de jouer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est pas important. Alors, ce que je vais faire d'ores et déjà, c'est de commencer par changer mon Voltali en Raichu, parce que j'ai fait un test avec le Voltali il y a pas longtemps, et puis je me suis rendu compte que finalement le Voltali il est pas si fort que ça. Bon, voilà, j'ai été un petit peu déçu, donc du coup bon, je me suis dit voilà, on changera plus tard au pire si je veux vraiment un Voltali. Pour l'instant, je garde le Raichu et puis voilà. Donc je reprends mon Raichu. Je me suis dit bon, les Pokémon sont un petit peu faibles en ce moment, mais c'est pas grave, ils vont vite rattraper la course. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait essayer de se prendre le cinquième badge. Donc, pour cela, on va aller à Céladopol, déjà. On y va en vélo. Non, c'est pas le vélo, ça. Donc, le vélo. Ah mais non, c'est vrai qu'on peut pas. Bon, bah, on peut pas. Donc, non, on va pas se faire le cinquième badge aujourd'hui. On va se faire plus tard. Voilà, donc, on va pas suivre l'ordre chronologique de l'histoire en fait. Dans cette version, on doit avoir le, enfin, on peut avoir le sixième badge avant le cinquième. Donc, on va commencer par aller dans cette espèce de d'arène pour se faire un petit peu d'XP et puis prendre un Pokémon qui est Capoeira ou Débuilant, je crois. Je suis vraiment pas sûr. Non, c'est même pas eux en plus. C'est Tignon et Kikli. Voilà. Donc là, bon, il y a des Pokémon de type combat. Voilà, vous pouvez les battre plus ou moins facilement, j'espère. Bon, ils peuvent me battre aussi plus ou moins facilement, un peu trop facilement d'ailleurs, c'est dommage. Donc le Ferrosinge, hein, qui est un type combat normal, le Ferrosinge qu'on connaît très bien. Le Colossinge, qui est l'évolution de Ferrosinge, hein, je sais même pas à quel niveau il évolue, je suis désolé, dommage. Donc voilà, une fois cela fait, oula, non 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 non, c'est pas bon. Donc voilà, le Roucoule, enfin Roucoule c'est niveau 28 et il s'est fait démonter la gueule. Donc là c'est bien la merde parce qu'il reste plus beaucoup de Pokémon en vie. Donc j'espère que je vais survivre avant de crever. C'est marrant. Alors reprendre la vie, voilà. Non 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 non. Oh, bon, au pire Kadabra il est fort contre les Pokémon combat, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Kadabra va gagner plein de levels, je sens. Bon, alors on va se retourner se soigner à la maison. Ouais, je crois que j'aurais dû monter mes Pokémon niveau 30 quand même avant de commencer la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on y va au feeling. Allez hop, on continue. J'hésitais un petit peu, mais allez, j'ai envie de faire monter mon Raichu là. Gna. Non mais j'y crois pas. Oh là là, c'est de malchance. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, on reprend le Rookups, on l'attaque. Toi, oups, oust, pardon. Alors, le Raichu qui monte lentement de niveau. Aïe. Aïe numéro 2. Bon. Au pire, on y va. Avec Nidoking, hein, c'est pas grave. Tout, tout, tout. Voilà. Je retourne me soigner encore une fois et je vais affronter le soi-disant champion, enfin le pseudo-champion de ce petit dojo de merde là. Oh là là. Étant donné que l'arène est bloquée par la Team Rocket, on peut pas faire l'arène tout de suite de toute façon. Donc autant nous prendre le Pokémon. Voilà. Donc ce Pokémon, on va avoir le choix entre ce Pokémon-là et un autre Pokémon. Ouais, j'espère que je vais gagner quand même, ça serait bien. Ah ah ah! Ça fait mal! Ah, ça fait mal encore. Oh putain, je vais jamais y arriver. Dans quoi je me lance des fois, franchement, je vous jure. Putain, niveau 37 quand même, hein. Ouais, donc c'est le deuxième Pokémon que vous pourrez choisir, hein, qui est Tignon. Voilà. Donc il me reste que deux Pokémon, je suis bien dans la merde. On va quand même essayer de l'avoir. Ça serait bien. Sinon, bah, au pire, on aura qu'à s'entraîner un peu et recommencer, hein. Voilà. Donc, on a gagné, c'est parti. On choisit entre deux Pokémon.
Kitley ou Tignon? Alors, moi, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Laissez-moi réfléchir, je réfléchis, je réfléchis. Bon, je vais prendre celui-là, voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, on a un nouveau Pokémon en poche, et puis on s'en va. Alors, pour avoir le deuxième Pokémon, celui qu'on n'a pas pu avoir, bah, il faut que vous ayez un ami, et puis comme j'en ai pas, bah, je pourrais pas l'avoir. Il faut que vous ayez un ami qui prenne Tignon et qui vous l'échange. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà. Ici c'est quoi? Le fan club Pokémon. Bon, rien d'intéressant pour l'instant. Où est-ce qu'on pourrait aller? Bah, on a qu'à aller de... non, j'ai rien dit en fait. On a qu'à aller. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire là. 2 secondes. Alors, on va falloir chercher. Je crois qu'il faut trouver un sbire quelque part qui nous donne une clé, mais je suis vraiment pas sûr. Alors attendez que je réfléchisse. Moi normalement. Non en fait non. Non, c'est pas ça. Que peut-être. Bon. Excusez-moi, je reviens. Ah bah merde, hein, franchement, je suis trop con. Voilà. Je suis trop con parce que de toute façon, c'était vraiment pas ici qu'il fallait aller. Car je viens de me souvenir qu'on avait obtenu un objet pendant notre quête précédente. Repère roquette, excusez-moi. Donc du coup bon. Mais c'est quoi le problème là? Attendez. J'ai un petit bug. Je recommence, voilà. Ouais. Putain, il fait chier. Donc voilà, on avait eu un petit bug au repère roquette. Non, on avait eu un objet au repère roquette, excusez-moi, qui est le sylphoscope. Le scope sylph. Donc il va vous permettre de analyser les spectres dans la tour Lavanville qui se trouve à Lavanville. Voilà. Donc on va y aller de ce pas. On y va, on y va, on y va. Voilà. Voilà. Bon. J'allais dire on va se soigner, mais j'ai pas fait de combat depuis donc. Comment je préfère? Bon, je vais entraîner un petit peu mon Raichu, hein, mais vite fait, vite fait, vite fait, hein, voilà. Donc, on se met ici pour s'entraîner, c'est une bonne technique. Comme ça, il y a un maximum de dresseurs à affronter. Donc, on se bat les Mélophées, même s'ils rapportent pas énormément d'XP, mais bon, autant essayer, hein, voilà. On va battre la fillette parce qu'elle a un Roucoups. Non, c'est pas, si c'est celle-là. Donc, il sera utile, enfin, il sera facile à battre, quoi. Un Ratatac. Et s'il utilise Croc de Mort, je suis mort. Non, c'est bon, ça va. Un Nidoran. Un petit Nidoran. Voilà. Punaise. Bon. Je vais devoir utiliser une super potion. Voilà, ici. Alors, on continue. Ah, mais c'est fou, ça. Pas capable de faire un plaquage, hein. N'importe quoi. Bon. Alors, Arcanin. On va te faire monter niveau aussi comme ça. C'est pour être sûr de pouvoir s'aventurer dans la tour, parce que dans la tour on va rencontrer des Pokémon spéciaux qui sont Fantominus, même un Ossature, donc bon voilà quoi. Ossature, je sais même plus comment on les appelle. Peut-être Ossature, je sais plus. Bon, bref. Alors, tu continues de te battre, voilà. Ah le con putain, mais comment j'ai pu ne pas me souvenir quoi, franchement. Heureusement que j'ai réfléchi beaucoup, mais voilà quoi. Donc voilà, je soigne mes Pokémon et on y va à la tour Lavanville. Pokémon Tour, tour Pokémon pardon. Donc là on a déjà affronté Wataru, donc du coup bon, on n'a pas besoin de le réaffronter, voilà. Donc on va ici et puis on affronte des exorcistes qui possèdent eux-mêmes des ça s'appelle comment? Des Fantominus. Par contre, pour les capturer, je sais pas trop comment on va faire, franchement. Attendez, on va prendre la Pokéball. Toujours ça de prix. Bon, je vais essayer de le capturer à la One Again. Ça marche pas. Ah, là, ça devrait marcher. Oui, ça marche. Donc, on a un Fantominus. Super. J'adore les Fantominus. Donc, bon, voilà, je rentre à la maison et puis je vais juste me soigner, hein, mais. Je sais pas si je vais le prendre dans mon équipe, le Fantominus, parce que c'est vrai qu'il me parle, mais c'est dommage que je puisse pas avoir la troisième évolution, en fait. Parce que là, en fait, si vous voulez, Fantominus, il évolue en Spectrum, comme ça. Et puis, une fois qu'il a évolué en Spectrum, et ben, il peut immédiatement évoluer en Ectoplasma. Mais pour évoluer, il suffit de l'échanger avec quelqu'un. Et comme j'ai pas d'amis, bah, je peux pas l'échanger. Voilà, c'est ça le problème. Donc, du coup, bon.
C'est pour ça que je suis pas sûr de prendre un Fantominus dans mon équipe. Voilà, tout ça pour dire. Je parle pour rien. Donc, on continue à Pokémon Tower, elle a que des Fantominus, beaucoup de Fantominus. Tons of Fantominus, et Fantominus qui sont des Pokémon de type Spectre, et donc qui ne sont pas affectés par les attaques de type normal, combat, et je crois que c'est tout, pas les attaques de type normal et combat, et ils sont sensibles aux ténèbres et aux psy. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ou peut-être sensibles aussi aux insectes, je suis pas sûr. Donc voilà. Alors t'as les exorcistes qui sont un peu fous, hein, voilà. Y a pas à dire. Oh, un petit osselet. Donc le petit osselet, on le. Oh merde, le con, putain, le con. Ça y est, je l'ai tué, quoi. Voilà. T'as, je sais pas, c'est 3 fois, quoi. Bon, au bout d'un moment, je sens que je vais plus compter, mais. Allez, l'osselet, là, pointe-toi. Moi, je m'en fous, je veux un osselet. Oh là là. J'avais même oublié qu'il y avait des osselets ici. Bon, affronte-moi, connasse. Alors. Voilà, Thundershock. Et au beau milieu de la tour, vous allez trouver un sanctuaire qui va pouvoir vous soigner. Super. Bon. Je veux un osselet. Oh là là. Donc ça, c'est Spectrum, l'évolution de Fantominus que je viens d'éclater. Nya nya nya, l'osselet. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre Arcanin et on va le faire passer devant. Donc morsure, voilà, super efficace, beaucoup plus simple. Morsure aussi, super efficace, voilà, hop. Mais bon, au final, le Raichu, il monte pas de tant de niveau que ça, hein, excusez-moi, mais. Ah, une pépite qui se vend à. Oh, tiens, un Spectrum. Bon, je le capture pas parce que je vais faire évoluer le Fantominus. Ah, un petit chose là. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour le capturer, je suis pas dans la merde. Oh, je sais, je suis un génie. Poison Powder, voilà, j'attends qu'il perde de la vie. Et puis après je le capture. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc là j'utilise Flash comme ça, il perd de la précision. Et je me dépêche vite de le capturer avant qu'il meure. Voilà. Donc voilà, on a le petit osselet en poche. On peut continuer. Donc je crois que c'est le dernier étage celui-là, mais je suis pas sûr, oui, c'est le dernier étage. Avec les escaliers, donc voilà, donc on affronte les derniers exorcistes, hein, qui ont tous des Fantominus et des Spectrums, je le rappelle. En fait, c'est cool de mettre un Arcanin devant. De toute façon, on va le, voilà, ouais, faire attention à le garder, à le faire bien monter de niveau, parce que je crois que ce sera celui qui va nous faire gagner pour le prochain badge, le sixième badge, quoi. Donc du coup, bon, c'est pour ça que je vais le laisser en tête de l'équipe pour l'instant. Je vais faire monter peut-être jusqu'au niveau 36, 37, voilà. Oh, un super momo. Je vais le garder. Ça pourra te servir. Vous savez, il y a une petite astuce que je vous dévoile au passage, c'est que le super momo peut faire revivre un Pokémon. Si vous n'avez plus de rappel, par exemple, et ben le super momo va vous faire revivre le Pokémon. Voilà. Donc, le fantôme apparaît, le Scopsylph, l'analyse, et on se rend compte que c'est un ossature ou un ossateur. Donc. L'ossateur est l'évolution d'osselet que on ne peut pas capturer. Vous voyez, si j'essaie de le capturer, bah hop, raté. Donc du coup, on est obligé de l'éclater sa gueule, mais c'est pas un problème. Aïe, j'ai rien dit, c'est un problème, c'est un gros problème. Calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc Gigadrin, voilà, c'est bon. Hop. Oui, je veux pas prendre ce. Bon, voilà. Donc, il est parti, l'ossature. Je vais faire les démonstrations du super bonbon sous vos yeux. Donc j'ai plus de rappel, j'utilise le super bonbon sur Arcanin. Hop, il gagne un niveau. Et comme il gagne un niveau, bah ses PV max augmentent de 3. Alors il gagne 3 PV. Donc il passe de 0 à 3, donc il revit. Voilà, c'était la petite astuce du jour, très utile. Voilà, je soigne mon Arcanin. Et puis on peut continuer. Donc je vais remettre Raichu devant. Car on repasse en mode Team Rocket. Et comme les Team Rocket ont des Nosferatu, bah c'est toujours mieux d'avoir un Raichu devant. Et les Nosferapto, waouh, Nosferalto, non je sais pas comment ça se dit, bon, c'est l'évolution de Nosferapti si vous voulez, voilà, donc, bon, par contre pour les, destruction, pour les Pokémon poison, il faut prendre un Kadabra, et puis sinon pour les Pokémon psy, bah, j'aurais dû prendre, comment il s'appelle, bah Arcanin, voilà, aïe, donc,
Voilà, je soigne mes Pokémon encore une fois. Hop, on continue encore une dernière fois, et puis après c'est bon, on aura terminé la tour. Donc je le brûle. Hop. Donc voilà, on parle au vieux monsieur, on rentre à la maison, on parle encore au vieux monsieur, et puis il nous donne une Pokéflûte. Youpi! Donc la Pokéflûte, c'est ce qui va permettre de réveiller Ronflex. Et on va enfin pouvoir libérer le passage. Donc on va pas. Ce que je propose, c'est d'essayer de capturer ce Ronflex. Ouais. Ce gros lard là. Oh là là. Bon, on va aller par cette route là. On va passer par cette route. Comme ça, Moraichu pourra monter de niveau. Parce que on va rencontrer beaucoup de pêcheurs. Et les pêcheurs sont des adeptes des Pokémon poissons. Donc, Pokémon de type eau. Et qui dit eau dit faible à l'électricité. Donc, du coup, bon, Raichu, beaucoup d'XP, voilà. Donc, on se fait beaucoup d'XP, on en tue pas mal, ils ont des Pokémon pas très très puissants, donc bon. Et l'avantage, c'est qu'ils sont tous du Pokémon du type eau, donc du coup, un seul Pokémon peut en venir à bout, si ce n'est deux. Donc, on continue de les éclater, encore une fois. Clac, 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 voilà. Donc là, il y a un petit couple qui veut vous éclater aussi, mais bon. Voilà, il possède que des petits Nidorans, tout mignons. Donc, au pire, quitte à être mignon, autant qu'il soit mignon, mais mort, voilà. Alors, on les bat sans plus tarder. L'important avec ce genre de couple-là, c'est qu'ils donnent pas mal de fric. Donc, du coup, bah, c'est une bonne idée. Donc, le Ronflex de la dernière fois. On va jouer de la Pokéflûte. Alors, attendez, je vais sauvegarder avant quand même, parce que bon, j'aimerais bien le capturer. Donc, utiliser. Voilà. Oh, quelle mélodie attrapante. Donc, on parle au machin. Yes, voilà. Il joue de la Pokéflûte. Le Ronflex se réveille. Il attaque dans une grande rage. C'est un gros rageux. Donc, on va d'ores et déjà le paralyser. Oh, quoique non, c'est con, parce que s'il a repos, il va pouvoir récupérer sa vie, et puis enlever son altération de statut. Qu'est-ce que je disais? Wing attack. Bon, on va essayer, hein, on va essayer. Moi, je pense qu'on devrait essayer de le capturer quand il dort. Mais c'est vite dit, quoi. Parce qu'il se réveille vite, en fait. Bon, on va essayer comme ça, déjà. Alors, Super Ball. Il s'est libéré. Bon, et c'est moi qui dors, au final. Oh là là. Bon, on va encore essayer, hein. Poison Powder. Non, pas ça. Ah, en plus, il arrive à nous attaquer pendant qu'il dort, hein. C'est vraiment le top. Bon, on va essayer comme ça. Great Ball. Oui, je l'ai eu. Youpi, j'ai un Ronflex. Bon, voilà, je rentre à la maison me soigner. Ouais. Donc on continue par là. Hop. Pokémon, on soigne. Je sais pas si je prends Ronflex dans mon équipe non plus. Je suis en train d'hésiter là, je vous avoue, mais. Fou fou fou. Ouais, je le prendrais bien dans mon équipe quand même, hein. Il est plutôt marrant, donc du coup, je vais jeter Nidoking et je vais prendre Ronflex à la place. En tant que tank, hein, évidemment. Donc, par contre, ses capacités, c'est à la mort moi le nœud, donc du coup, je vais devoir changer un peu tout ça. Je vais voir si j'ai des trucs. Alors, Brick Break, je crois que je vais lui apprendre. Non, je veux pas lui apprendre à lui. Voilà. Donc, Brick Break, je vais l'apprendre à Snorlax. Non, pas. Oh là là. Oh, je vais y arriver. Voilà, donc Snorlax, bâillement, coup de boule, dormir et ronflement. Bon, dormir, on le casse. Voilà. Ah, Aéropic, ça s'appelle. Oh putain, c'est trop bien comme attaque. Je vais prendre à Arcanin, tiens. Donc voilà, on la prend à Arcanin et Aéropic, c'est une attaque qui touche l'ennemi à tous les coups. Alors c'est pour ça que d'où l'intérêt de lui apprendre, c'est un truc de malade, c'est trop bien. Donc, cut, je vais pas lui apprendre. Flash, non, bon. J'ai rien à lui apprendre pour l'instant, c'est pas grave. On va tout de suite dans la cabane du pêcheur, parce qu'il a un truc important à nous donner aussi, qui va nous permettre de capturer encore des Pokémon. Donc, la cabane du pêcheur se trouve ici. On lui parle, il nous donne une canne à pêche, mais une méga canne, tu vois, une méga canne de malade. De la mort qui tue. Donc, je l'enregistre.
Je l'utilise un petit peu partout. Et hop, un hippotrempe. Oh, c'est trop bien. C'est trop mignon en plus ces trucs. Donc, on va le capturer. Voilà. Donc, un petit hippotrempe capturé. Ça fait toujours plaisir. Donc, on fait le test. On fait des tests. Voilà, comme ça. Tiens, niveau 31. Oh, il n'y a que des hippotrempes ici ou quoi? On va essayer dans une ville, par exemple. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, on retourne à Carmin-sur-Mer, hein. La ville que vous connaissez. On essaye ici. Il n'y a rien. Il y a un Pokémon. Oh, un coquillage. Donc, vous voyez qu'on peut attraper vraiment beaucoup de choses grâce à la canne à pêche. C'est une révolution. Donc, on va essayer ici. Ça se trouve, il y aura autre chose, je sais pas. Non, non, non. Oui. Oh, un Léviator. Eh ben dis donc, j'ai de la chance. Donc, on va pas capturer le Léviator parce qu'on a un Magikarp déjà, donc ça serait un gâchis de Pokéball. Donc, je vais l'éclater. Léviator est un Pokémon de type eau et vol. C'est un truc what the fuck. Mais en gros, si jamais vous l'attaquez avec un Pokémon électrique, vous êtes quasiment sûr de gagner, quoi, parce qu'il est mort. Bon, allez, on continue. Donc, j'en étais où? Oui, donc voilà. Alors, on repart. Au pire, c'est pas la mort, hein. Donc, je disais, on va essayer un peu ici. Voilà. Non, mais pas là, pas là, pas là, pas là. Voilà. Donc, on réessaye ici pour voir s'il y a quelque chose. Oh, un Tytarte. Bon, je vais essayer de capturer le petit tar plutôt, ça sera mieux parce que c'est la première évolution de. Ah non, mais celui-là, je le veux pas, moi. Hey, qu'est-ce qui m'embête? Donc, le petit tar, qui est un Pokémon de type eau aussi, bien mignon. Et dont l'évolution est Tétarte, et qui évolue ensuite en Tartare, grâce à une pierre eau. Donc, on capture d'abord le Tétarte, et puis après, bon voilà, on le laisse dans notre PC, on va se soigner. Et puis, comme c'est déjà l'heure, et ben, je vais vous dire au revoir, et puis on se retrouve plus tard pour un dixième épisode. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour la prochaine. Voilà, salut!